6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le code, s'il vous plaît, pour le faire chanter. On est à l'heure. Après nous, ce sera 10 hits à la suite sur Énergie, comme chaque heure. Il y aura Sam Smith, il y aura Maître Gims pour vous, mais on n'est pas encore parti, pas du tout. Juste après les infos, je vais vous donner une méga astuce migraine. Ah, bien. Quand vous avez la migraine, j'ai une super astuce sans dépenser de l'argent dans des médicaments, ouais. Ce sera l'astuce médicale. L'astuce médicale, c'est l'astuce médicale. Note à moi-même, ne pas essayer de faire des jingles en direct. Et puis, nous parlerons aussi du plus grand fan de Britney Spears au monde. Mais tout de suite, c'est les infos, il est 9h01 sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plath. Bonjour, un beau soleil pour commencer la journée en Vaucluse et le long du Rhône, mais les nuages plus nombreux cet après-midi pourront donner des orages, d'abord sur l'est du 84, avant de peut-être glisser jusqu'au Rhône en soirée. Au thermomètre, les maxis vont rester stables vers 29 degrés, avec un petit peu de vent de nord sur le nord du 84, et 20 degrés, c'est ce qu'on relève de suite à Avignon. Le bac est lancé. Hier, près de 3000 lycéens de série générale en Vaucluse se sont penchés sur les sujets de philo. 4 heures d'épreuve intense avec au choix 2 dissertations et une explication de texte. Premières impressions de Lisa et Lise en L et Léo en ES. J'ai choisi le sujet de dissertation sur le bonheur parce que c'est celui qui m'inspire le plus. Le temps, c'était nickel. Par contre, j'ai l'impression sincèrement de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Mais bon, j'ai 8 de moyenne toute l'année. Je pense que je vais encore avoir 8. Ça me stresse pas trop et j'espère que je ferai mieux au reste. J'ai pris l'art parce que le cours sur le bonheur, on l'avait pas fait et que le commentaire, je sais pas les faire, donc du coup le choix était facile et le temps, j'ai fini au bout de 3 heures, donc ça... J'ai pris suffisamment d'avoir le choix pour être libre. Je pense que j'ai fait des bons arguments et j'ai bien développé, donc ça devrait bien se passer. Et après la philo hier, la gendarmerie enquête sur des soupçons de fuite sur Twitter. Place à l'histoire géo ce matin pour les séries LES et techno, physique chimie pour les scientifiques. Et pour se rendre notamment dans les centres d'examen aujourd'hui, c'est encore difficile si on compte sur la SNCF. 7e jour de grève sur les rails ce mardi, la SNCF maintient son dispositif pour le bac, car côté trafic, la situation s'annonce encore bien compliquée. Toujours gare plus d'un TGV sur 3, 2 allers-retours qui circulent sur l'ensemble de la journée vers Montpellier et Perpi, 1 train sur 3 entre Marseille et Bolène, le Facebook Énergie Avignon pour plus de détails. Un test grandeur nature, contrairement à ce qui était envisagé, la vitesse ne sera pas réduite sur toutes les routes nationales du pays immédiatement. Dans un premier temps, seuls les tronçons où il y a le plus d'accidents seront concernés, on y passera de 90 à 80 km/h. Annonce du gouvernement. Pas de date de mise en œuvre pour l'instant. Le mondial de foot, les matchs s'enchaînent. 3 nouveaux résultats hier. La déroute portugaise face à l'Allemagne. Le Portugal de Cristiano Ronaldo battu 4-0. Moins de spectacle entre l'Iran et le Nigeria avec un triste 0-0. 2-1 pour les États-Unis contre le Ghana. 3 nouvelles rencontres programmées ce mardi, et notamment Belgique-Algérie à 18h. Brésil-Mexique, ce sera à 21h. Voilà pour vos infos. 9h04, excellent début de journée à vous. Bienvenue sur Énergie, c'est mardi, on est le 17 juin, juste après nous, c'est dit à la suite, comme chaque heure sur Énergie. Il y aura Sam Smith, il y aura Maître Gims aussi, mais nous ne sommes pas encore partis, pas du tout. Oh non. Encore, avant de partir, 2 choses. La première, astuce migraine. Ouais. Tout le monde a un moment dans sa vie chopé une migraine, genre t'as mal à la tête, putain, ouais. Et on n'a pas de médicament. Ouais. Écoutez bien, c'est un truc à la con qui prend une minute et qui permet d'enlever la migraine. Ça peut paraître bizarre, mais écoutez bien, ce truc-là, c'est très sérieux. Hein. J'ai vu ça sur Internet. Si j'ai vu sur Internet, c'est que ça marche. Évidemment. Doctissimo, big up à toi. Si vous avez mal au crâne, si vous avez une migraine, eh ben croisez vos bras. Tout calmement, comme on croise ses bras, n'importe comment. Alors, pourquoi? Parce que ça réduit l'intensité de la douleur dans la tête en moins d'une minute. En fait, en embrouillant, écoutez bien, les nerfs qui envoient le signal de la douleur au cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on prend notre corps pour un con. En croisant, oui, c'est ça, ouais. En croisant notre doigt, nos bras, ouais. On embrouille notre cerveau. C'est-à-dire qu'il reçoit plus bien
les sensations de douleur qu'on a dans la tête. Je sais pas pourquoi, hein, je suis pas médecin. Mais apparemment, ça marche. C'est génial, tu fais une version. Pendant une minute, vous restez comme ça. Nico du web. Je suis sûr que le mec qui a trouvé ce truc-là, il s'est dit, je suis un génie, j'ai trouvé grâce à un truc scientifique et tout. En fait, non. Il a juste croisé les bras, il s'est dit, putain, j'ai plus mal à la tête. Bah, peut-être. C'est possible. Exactement. Alors, peut-être que ça marche que pour lui et pas pour nous. Ouais. Écoutez, essayez. Ah, mais ouais, je trouve ça pas mal. Moi, la prochaine fois que j'ai mal au crâne, j'essaye ça. Moi aussi. Je trouve ça pas mal. Et puis, l'explication, elle est tellement scientifique que ça doit être vrai. À partir du moment où tu ne comprends pas une explication, c'est que c'est vrai. Nico du web. Après, si vous avez mal à la tête en conduisant, attendez, mettez-vous sur le bas-côté. Oui. Et croisez les bras. C'est mieux. 9h06, je vous ai promis qu'on allait parler du meilleur fan de Britney Spears. Eh bien, il s'appelle Gal Volinez. Et nous allons lui rendre hommage en mettant sur notre site malunel69.com une vidéo qu'il a faite. C'est la vidéo de Work Beach. En fait, ce mec, énorme fan de Britney Spears, il s'est incrusté à la place de Britney Spears dans chaque image du clip. Bon, il faut savoir que le mec a tout sauf le corps de Britney Spears. Il est un peu, disons qu'il a, il a repris deux fois du clafoutis au dessert. Et il fait des têtes dans le clip, mais comme si c'était Britney Spears, sauf que c'est tellement improbable que c'est vraiment drôle. J'ai regardé ça hier, c'est Nico du web qui me l'a envoyé. Ouais. Je me suis dit, je vais regarder 20 secondes, et tu regardes les 3 minutes quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est incroyable. Et c'est bien fait en plus. C'est Nico du web. Le mec effectivement a découpé la vidéo pour se mettre vraiment à chaque fois pile à la place de Britney Spears. Avec les bras, les trucs, c'est hyper drôle. Mais ça rend hyper bien. Il s'est fait chier, mais qu'il a peut-être dû. Je sais pas, il a mis 6 mois à faire ça. Ça marche vraiment bien. Et c'est super drôle. Allez la voir, le plus grand fan de Britney Spears, il est sur malunel69.com. C'est notre site internet. Vous retrouvez aussi évidemment dessus tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a notre page Facebook aussi, facebook.com/malunel69 pour continuer à discuter avec nous et pour gagner aussi un beau séjour. Un séjour d'une semaine pour deux en Grèce dans un club 4 étoiles grâce à Look Voyage, c'est sur notre page Facebook. Passez une... Oula. Oula. T'étouffes là. Ouais, excusez-moi, je m'étouffe. Non, ça va, hein, je peux pas me lever. Ah, d'accord. Tout le monde me regarde, j'en panique. Non, je suis juste avalé de travers, tout va bien. Bon sang, le président va mal. Non, j'ai juste avalé de travers. Passez une belle journée. Dites à la suite, c'est maintenant sur Énergie avec Sam Smith, Maître Gims, entre autres. Et nous, on revient dès demain à partir de 6h. À demain. À demain. Malu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h. Sur Énergie.